choc du désespoir. La fin du monde. C'est la merde. Mon putain de toute ma vie. C'est un seigneur gothique. Ça y va être plus tard. Et pourtant, les habits des lindes sont une plage ensoleillée en comparaison. Allez, raconte. Comme d'habitude, le mois dernier, j'ai organisé une soirée SM privée. Paradis en enfer. Si elle avait pas eu ce léger dérapage. Au cours de la soirée, deux filles sont arrivées en chevauchant fièrement un poney. Ta matrice, c'est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6. Prométhéus à l'appareil. Arrête avec tes Prométhéus à l'appareil, c'est ridicule. Que me veux-tu ? Je t'appelle parce qu'il m'arrive un truc trop bizarre. Je t'écoute. Hier après-midi, je suis allée faire un tour en ville. Il me fallait absolument une paire de boucles d'oreilles en forme de machine. De fil en aiguille, avec beaucoup d'alcool et l'odeur enivrante du latex, c'est le poney qui a chevauché les filles. C'est pas le pire. Réellement ? Non, quelqu'un m'a dénoncé pour maltraitance sur un animal. Il paraît en plus que ce genre de soirée serait soi-disant immoral. Et ça me surprend. Le poney avait pas l'air déprimé en partant. Quoi qu'il en soit, je me retrouve avec un bataillon d'associations armé de plaintes contre moi. De Famille de France à l'ASPR. Famille de France ? T'es mal barré. Toi, Gaylor, c'est quoi le drame ? On m'a dénoncé au fisc. Comme quoi je vendrais des films porno sous le manteau. C'est pourtant vrai, non ? Je pensais pas qu'on s'en prendrait au buffleur masqué. De mieux en mieux. C'est qu'une petite production artisanale, j'en rends pas tant que ça. Combien ? À peine 20 000 DVD par mois. Sérieux ? Y a autant de pervers qui achètent cette horreur ? Le truc, c'est que le bifleur masqué est devenu une icône luttant contre le féminisme. C'est pas juste des gonzesses qui se prennent un coup de bif gratuitement, et un message socio-philosophique. Évidemment, on mérite toute une bif quand on manque de faire la vaisselle. Bah ouais, d'ailleurs c'est le sujet du quatrième film. Ok, stop, la ferme. Mais j'en ai pas trouvé, du coup, j'en ai acheté un fond. Viens-en au fait, s'il te plaît. Le truc super bizarre, c'est qu'à partir de l'achat des boucles d'oreilles, je me rappelle plus de rien. Je me suis réveillée dans mon lit. Il y a pas 5 minutes. Toute nue ? Non, habillée ! Intéressant. Tu ne te rappelles vraiment de rien ? Non. Ça commence à me faire flipper. Tu devrais inspecter ta chambre. Il y a peut-être un indice dans un coin. Que ça soit bien clair, les gars. Je vais pas vous plaindre, vous connaissez les risques. Tout ce que je retiens, c'est que ces putains qui ont dépassé les bornes et qui font finir une fois pour toutes. C'est trop tard. Ils ont atomisé nos vies. De plus que les autres, c'est vrai. T'as bien morflé aussi. D'ailleurs, tu tiens le coup. Sors de la photo. C'est pas super grave, je vais survivre. Non, je te parle de ce qui s'est passé hier soir. Pourquoi tu parles ? Il se passe jamais rien ici. Vous avez craché le morceau, oui ou non ? Il paraît que Jack serait venu hier soir tout seul et qu'il serait reparti avec une brune. Et c'était pas une bière. Va voir Bud, il te renseignera mieux que nous. Ouais, je vais y aller. Vu que personne n'est capable de m'expliquer clairement les choses. Quelle mégère, elle mériterait vraiment sa bif. Je viens de trouver un bracelet en cuir sous ma couette. Je remets à le. Ne me dis pas que... Si, c'est à Jax. C'est marqué dessus. Jax, made in Asgard. Oh, de fou. Qu'y a-t-il ? L'emballage vide d'une capote. Parfum à mur des bois. Préféré en plus. Te connaissant, j'aurais parié pour arôme papaye. C'est pas logique. J'ai encore tous mes vêtements. Dans le meilleur des cas, tu as juste pratiqué une fellation. Méga kawaii ton analyse. J'aurais mieux fait d'appeler Ares. Lui au moins, il aurait fait preuve de compassion. Tu m'excuseras. Mais avec Ares, on se démène pour annihiler la vie de Jax et compagnie. Alors que toi, pendant ce temps, tu lui croques le sucre d'orge. Tu ne m'en voudras pas de manquer de compassion. Un instant, j'ai un double appel. C'est Ryuji sur l'autre ligne. Je dois te laisser. À plus tard. Toujours le même scénario, t'es avec tes potes stupides à la table du fond, vous parlez de vos problèmes tout aussi stupides, et ensuite tu viens me casser les couilles pour gratter des infos. Ça désespère tout autant, crois-moi. Allons droit au but, pareil que Jack. Un instant. Je regarde une vidéo. Le Bifleur masqué volume 6. Putain les gars, je vous comprendrai jamais. Bah, le message socio-philosophique est pas si mal. Sinon pour Jax, c'est quoi cette rumeur bidon qui circule ? Y'a plein de rumeurs bidon qui circulent sur ton mec, laquelle t'intéresse ? Celle d'hier soir, tu t'arrives avec la brune, t'es Jody ? Jax avec Jody, ça me ferait mal. Trop bien pour lui. Je vais les questionner Sid. Sid, il est occupé en cuisine. C'est quoi ça ? Vilain Baki ! T'as mangé le doudou ? Tu me prends la tête, Bud, balance ce que tu sais. Hé, hey, calme ta joie. Tu m'emmerdes. J'ai pas le temps pour tes conneries, c'est un cocktail. Lâche-moi. Hier soir, Jack s'est pointé ici une première fois avec Chrome. Je l'ai vexé, il s'est barré. 2 heures plus tard, il est repassé, tout seul, complètement bourré. Et il est reparti avec une meuf. Qui ? Avec Kikette. Tu te fous de moi ? Non, elle est venue nous emmerder avec Sid. J'ai servi un verre qui l'a séché sur place et on l'a foutu sur la table du fond en attendant qu'elle décuve. Mais Jack, c'est arrivé. Juste au moment où elle s'est réveillée. Ils ont parlé un bon moment et ils sont partis ensemble. Pour le reste, j'en sais pas plus. Je vais pulvériser sa grognasse. Dit la mère, viens te coucher près du feu. Prends garde seulement à ne pas brûler ta fourrure. C'est bon, je crois qu'il est endormi. C'est pas trop tôt, hein ?